Et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui s'avère intéressante puisqu'on va vous proposer un retour d'une utilisatrice de la Leaf version 30 kW si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Mais vous la connaissez déjà puisque c'est aussi la détentrice de la très célèbre Tagada. Donc voilà. TM3 rouge intérieur blanc évidemment. Oui, le fameux covering qu'on avait montré. Donc je vous mets le lien par là si vous êtes intéressé d'aller le revoir. Et du coup, elle nous présente aujourd'hui sa seconde voiture et c'est une Leaf donc 30 kW qui pourrait s'avérer être intéressante en voiture d'occasion puisqu'on retrouve ces modèles là aux alentours de 10-15 000 euros en ce moment. Donc si vous réfléchissez à une première voiture électrique pas chère ou à une seconde voiture électrique pas chère, bah, je pense que le sujet pourra vous intéresser, mais on va de suite en savoir plus avec Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Camille. Tu nous présentes aujourd'hui donc ta seconde voiture, mais finalement celle que tu as depuis le plus longtemps. Donc ça fait combien de temps que tu as cette Leaf? Ça fait 4 ans et demi. 4 ans et demi. 4 ans et demi, et c'est elle en fait qui nous a amené à l'électrique. Alors, est-ce que tu es contente de ta Leaf? Je suis contente de ma Leaf. Donc, en fait, on l'a prise en location au départ. À la fin de la location, on a décidé de la racheter. Ça a évité les frais de réparation, carrosserie. Les fameux de la LOA, voilà, ou de la LLD. Ouais. Les frais de changement immédiat des 4 pneus qui étaient encore potables. Mais, si vous l'avez racheté, si vous avez décidé de la racheter, j'imagine que c'est qu'en plus, vous en étiez content pour votre utilisation. Satisfait. Mais justement, alors on va en parler du coup. Pour quelle utilisation? On a décidé de la garder parce qu'elle correspondait complètement à notre utilisation citadine. Donc avec 3 enfants, elle fait principalement du local et donc bah, c'est surtout des trajets pour aller à l'école, pour aller au boulot et puis exceptionnellement comme ici, comme aujourd'hui, aller chez les copains qui habitent à quelques kilomètres de Toulouse. Mais ça va, elle les fait quand on fait tranquillement sur l'autoroute. Elle fait le job. À faire ses kilomètres. Alors du coup, l'ancienneté de la voiture? Elle a 4 ans et demi, donc elle a déjà passé son contrôle technique. Il n'y a pas grand-chose à vérifier, je suppose, en électrique? Alors ce qui demande à vérifier par rapport à une thermique, c'est qu'il faut amener le câble de recharge et en fait, il vérifie qu'elle charge bien avec le croc. Après, bah, il vérifie les freins et donc il était étonné parce qu'il me disait « Oh tiens, elle a 4 ans, vous avez déjà changé les plaquettes de frein. Elles sont neuves, vos plaquettes. » Je lui dis bah, « En fait, c'est pas qu'on les a changées, c'est qu'elles sont d'origine. » Ah, d'accord. Donc ça sous-entend ce que tu es en train de dire, qu'on a un bon frein régénératif sur la Leaf. Alors, il est léger, le frein régénératif, mais il est malgré tout super efficace. En fait, on s'en sert quasiment tout le temps. Il n'est pas aussi puissant que sur la Tesla, mais par exemple quand on est sur le périph, qu'on roule assez vite, et ben on met le mode break, c'est la régénération, mais le mode break, et en fait quand on prend la sortie, et ben on n'a pas besoin de freiner parce que si on s'y prend un petit peu à l'avance, et ben elle commence à freiner mais doucement, et c'est un freinage qui est moins poussé, mais qui suffit quand on anticipe. Qui suffit largement. En fait, on adapte la conduite par rapport à la régénération. On sait qu'on a une régénération faible. Et donc, du coup, on adapte. Après, ça me paraît pas complètement détonnant quand on parle d'une citadine. En tout cas, dans ton utilisation, ça paraît pas hyper compliqué. Nous, on la met toujours en mode break au final parce que... Bah, après, on est tellement habitué aussi avec Tesla que bah, maintenant, on ne peut plus s'en passer de cette régénération. Donc, on optimise au maximum le peu qu'elle peut avoir. En termes d'autonomie, on parle de quoi? On a une batterie de 30 kWh. À l'achat, on avait entre 200 et 220 km d'autonomie annoncée en été. Et en WLTP, donc, annoncée? Non, c'est ce qu'annonçait la voiture. Okay. C'est ce qu'annonçait la voiture. La première année, elle a très peu perdu en capacité de batterie. Je faisais principalement une 60aine de kilomètres par jour pour mes trajets maison-boulot. Ensuite, je faisais quand même régulièrement des charges chat démo parce que
J'ai Nissan juste à côté du boulot, donc je m'en privais pas. Et à la fin de la première année, j'ai vérifié la capacité de la batterie. Elle avait perdu que 0,45 de capacité de batterie. Ça va. Donc c'était peanuts. Ça allait un peu à contresens de tout ce qu'on a pu nous dire sur l'utilisation du CHAdeMO, comme quoi ça abîmait beaucoup la batterie, etc. Mais en tout cas, dans cette utilisation-là, j'ai remarqué que très peu de pertes de capacité de batterie. La deuxième année, elle a eu une autre utilisation parce qu'on a donc acheté le Niro. Donc moi, j'ai pris le Niro après pour aller au boulot. Et c'était mon mari qui prenait donc la Leaf. Et donc lui, il faisait entre 10 et 15 km par jour. Il chargeait la voiture qu'une fois par semaine, alors que moi, quand j'arrivais du boulot, tous les soirs, je la branchais. En fait, tous les soirs, je la chargeais à 100% parce qu'on ne peut pas régler la limite de charge. La limite de charge sur celle-ci. Donc on est d'accord, chez toi, c'est sur une prise domestique, hein ? C'est que du domestique. Ouais. Ok. Ce soit, c'est une green-up, mais avec le chargeur Leaf, donc c'est pas non plus totalement optimisé par rapport au Crow Zoé. D'accord. Petite précision, donc CHAdeMO, c'est une technologie différente des technologies qu'on utilise actuellement. Du coup, il y a quand même très peu de compatibilité avec les bornes à charge rapide actuelles, donc c'est plutôt un véhicule qui est dédié à de l'urbain, oui. On va dire. Voilà, et de la charge à domicile. Oui. Quand on fait faire de la charge en itinérance avec celle-ci, ça coince. C'est le parcours du combattant. Ouais, c'est pas simple. J'ai essayé une fois, quand elle avait encore beaucoup d'autonomie, donc au tout début, de faire Toulouse, le Puy-en-Velay. T'avais embarqué un vélo ? Pour finir, ça a été très compliqué. Ouais, t'as fini en stop ou Ouais, comment tu t'es débrouillé? Est-ce que t'as un GPS embarqué qui va t'indiquer à quel endroit tu peux recharger ou pas? Comment tu t'en débrouilles? Il y en a un, mais je m'en suis jamais servi à vrai dire, parce qu'il est vraiment pas intuitif, il est pas pratique. Et en fait, j'ai toujours utilisé ChargeMap. ChargeMap, ok. Pas les nommer. Donc GPS lui disait, vous allez tomber en panne là. Ok. Alors, on l'a fait, hein, sans la panne. Mais oui, non, mais vous avez optimisé, je suppose, et vous avez prévu les arrêts. Mais voilà, c'est rouler dans le Massif Central à 4h du matin. Sur les voies rapides, rouler maximum à 50 km/h et sans chauffage, sans rien du tout. Donc, avec une voile sur toi pour pousser un peu la voiture. Elle nous a fait kiffer, là. Ouais, nous avons du rêve. Non, mais voilà, je pense qu'en voiture d'occasion, c'est très bien. Par contre, il faut garder à l'esprit que c'est local. Pour faire la ville et l'intérieur urbain, on va dire, mais voilà, ouais. C'est un peu de rocade, un peu de ville. C'est pas une routière, elle est pas faite pour ça, quoi. À 50 km autour du domicile, elle est parfaite, donc c'est quasiment tous les trajets en fait. Au final, mais non, parce qu'on en a pas parlé, mais du coup, il y a aussi le prix, elle est pas chère d'occasion, elle est aux alentours de 10-15 000 euros, ouais. Et surtout, il y a les coûts d'entretien, ça coûte rien ça à rouler. Bah, pour l'instant, alors nous, pour conserver la garantie de la batterie, parce qu'elle est encore garantie peut-être 2 ou 3 ans, je sais plus exactement, donc du coup, pour conserver cette garantie. Anti-batterie, on continue à faire les entretiens annuels préconisés par... Oui, c'est annuel. Donc Nissan préconise un entretien quand même annuel. Tous les ans, ouais. C'est facturé combien, titre d'info? Ça dépend l'année, c'est dans les 120 euros. Hein. C'est d'une évidence, quoi. Ok. Nous, donc, on est une famille avec 3 enfants et c'est le combo parfait pour notre famille, en fait, parce qu'elle est très spacieuse, la Leaf. Les 3 enfants rentrent largement derrière, ils sont pas serrés, c'est pas étouffant dedans, il y a beaucoup de place. Le coffre est malgré tout assez grand. Je sais pas combien il fait de volume, mais je m'en souviens. T'as logé les valises? Pas les valises, mais la poussette. Donc, Voilà. c'est un bon critère, ça, la poussette. Quand on l'a eu, le petit avait tout juste 1 an, donc, et il n'avait pas 1 an même. Donc voilà, avec un bébé, un nourrisson, on avait le cosy, il y avait beaucoup de place. On a eu la poussette, et très pratique super. En utilisation quotidienne. Moins de 50 km, pas beaucoup de bagages, mais pouvoir prendre des choses quand même, tu vas privilégier la Leaf. Et si on dépasse 50 km et que ça a besoin de partir, je sais pas, une semaine en camping où il faut prendre le PQ, le sopalin et le reste, alors à ce moment-là, on va peut-être privilégier la Tesla, quoi. Ouais. Mais les premiers temps où on avait que la Leaf et où on avait encore du thermique, et ben la première année, on est parti quand même en vacances avec celle-ci plutôt qu'avec le gros break familial thermique. Parce que c'est tellement un confort de conduite, c'est tellement agréable.
c'est tellement peu coûteux aussi que bah oui, forcément... Donc quand on a goûté, c'est-à-dire que depuis que tu as la LIF, on est d'accord que derrière, tu n'avais plus, toi et ton mari, jamais racheté de voiture thermique. Ah bah non. Voilà, vous passez d'électrique en électrique. Des différentes, voilà, mais que l'électrique. En fait, au tout début où on a eu cette LIF, j'ai eu l'occasion pendant 8 mois d'avoir une LIF 24 kWh en parallèle de celle-ci. Mm-hmm. Donc en fait, pendant 8 mois à la maison, on avait ces deux LIF, donc cette 30 et la 24 qu'on m'a prêtée, et le Zafira 7 places thermique. Et ben, pendant 8 mois, le Zafira n'a pas bougé de sa place. Il est resté au garage. Et en fait, quand on s'est rendu compte au bout de 8 mois que le Zafira il bougeait pas, et ben, on s'est dit... allez, on rend la 24, on vend le Zafira et puis on bascule le véhicule principal. On est là qu'on a acheté le Niro. Donc une ultra convaincue dès l'utilisation de véhicules électriques. Oui. Ouais, ben voilà. Hein. Bon, du coup, maintenant, tu vas nous faire un essai, tu vas nous donner tes impressions. Allez. Particularité, on a un frein à main. Enfin, qui n'est pas tout à fait un frein à main, mais un frein à pied sur cette voiture. On peut drifter ? Ouais. Donc mais ici, non. Donc, on a trois pédales. Ouais. On a la pédale, donc... on va expliquer hein, pour ceux qui se plantent en taxi Tesla. Oh putain. Et ça, je vais le laisser dans la vidéo. Donc, il y a la pédale d'accélérateur. Alors, attends, je précise. Hein. Accélérateur, frein. Et ici, donc, c'est le frein à pied. Donc en fait, là... Les freins à pied, ça... Ah, et du coup, frein. Ça t'enclenche un équivalent de frein à main ? Ouais. Mais c'est ouf, ce truc. Ça, hop. Mais t'as un voyant, quand même, sur le tableau de bord, pour pas l'oublier, ouais. Ou... Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, tu peux pas bouger la voiture. Ah et... oui, bon. Et à si, tu peux essayer, mais... À la livraison de la voiture, ils ont pas à la concession, ils m'avaient mis le frein à pied. Voilà. Et donc, j'ai passé un quart d'heure sur le parking de Nissan à essayer de faire avancer la voiture. Ah oui, ça c'est de la bonne anecdote, oui. Donc là, okay. L'intérieur, on est sur d'anciennes générations, forcément. Ah oh bah ouais, mais... Bah c'est pas, ça pas si vieilli que ça par rapport à d'autres voitures. Hein. Et on en a... Alors... Oui. En fait, j'ai oublié la clé qui est dans mon sac à main. Il va falloir aller chercher la clé. Attends, je vais chercher ton sac, bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a ? La ring. Montre là-bas, chérie. Ce ring, look. Oh, ils ont les rings pour ouvrir la Tesla. Eh oui, c'est... Eh. D'ailleurs, on ça marche pas avec la LIF. Hein. On vous présentera un fabricant de rings dans une prochaine vidéo. Pour les Tesla, hein, pour on les Tesla. Toujours autour des mêmes personnes. Non. Bah alors Cédric, tu viens de faire un commentaire en expliquant que c'était relativement ancienne génération. Non, je veux dire, c'est... Mais... Ça reste d'actualité quand même. Moi, on était allés quand même ensemble au salon de l'auto et on a bien remarqué que, ok, oui, d'accord, il y a plein de boutons, tout ça, machin, mais il y a encore plein de voitures qui sont comme ça, un tableau de bord et un écran de cette taille-là, de ce format-là, sur des voitures qui sont récentes. Hein, moi, je suis pas choquée. Tout à fait. Alors, il paraît qu'il faut des clés. Il suffit qu'elles soient dans la voiture ? Oui. Super. Normalement. Donc, j'appuie sur le frein, j'imagine. Le frein, donc toujours le frein et après on... Oh, c'est quoi ce bruit ? Oui, mais on va jouer à Sonic. C'est une console de jeu, la voiture. On va jouer à Sonic. Alors attends, juste alors, on va allez, montrer. Ah oui, tu fais ta te hotte et tout. Ah oui, il y a deux compteurs. Bien. Tu super. Fais attention parce qu'il y a le rampage. Donc en fait, dès que tu lâches le frein, elle va dès avancer. Dès que tu lâches le frein, elle va avancer. Non. Alors du coup, il faut que tu appuies sur les rapports de... Sur un truc là. Ah mais j'ai pas entendu le frein à pied, moi. Tu appuies sur la... C'est celui-là, de gauche. Ouais. Le frein. Tu appuies très fort. Et tu relâches. Ah, sa mère, ah. Pardon. Et là, maintenant, tu le. C'est le frein à pied. J'étais pas là quand vous avez fait la démo. Le frein à pied, non, c'est... Ok. Ouh. Allez, ça va. Et donc, elle a un mode rampage en automatique ? Tu peux régler ça ou pas ? Non. Donc, elle est forcément de base, en mode rampage. Dans tous les cas, tu as un mode rampage. Super. Au démarrage, elle a un mode voilà. rampage. Donc là, elle est en neutre. Donc, il faut que tu passes la première. Je tourne, j'appuie. Tu... Comme sur le schéma là. Ah pardon. Une vitesse. Donc là je suis en neutre. Là je suis en démarrage. Ah, donc okay. Tu le vois là sur le tableau de bord. T'es en D. Attends. Oui ça y est. D éco. Ouais ça marche. Super. Ok. Et ensuite t'as aussi la possibilité donc si tu refais une deuxième fois cette manœuvre tu la passes en mode break. Donc en régénération. Là, voilà.
Ah oui, je la vois. Ah, tu le vois sur le tableau de bord, ok. Oui, parce que là, il y a un unique voyant pour les deux, en fait. Donc, tu le vois forcément. Mais par contre, c'est indiqué ici, je suis en B, donc ici, en break. Voilà. Et donc, le principe du mode break, on est d'accord, Fanny. C'est la régénération. On va avoir du frein régénératif. Qui est léger. Léger. Voilà. Ah, il y a une caméra de recul. Eh, quand même, hein. J'entends aussi qu'il y a un radar. Oui. Quand ça fait boum, c'est que t'as touché. Non, c'est pas le radar, c'est juste un avertisseur sonore. Pour les piétons. C'est juste un avertisseur sonore de recul. Pour les piétons, alors. Ça n'a rien à voir, c'est pas pour nous prévenir, nous, elle va pas s'affoler si je m'approche. Non. C'est uniquement pour les piétons. C'est un... Comme ouais, nous, c'est le ça. Bruit de soucoupe ouais. sur les ouais. Tesla. C'est ça. Ok. Elle dit je recoule. Je rappuie une deuxième fois, je suis repassée en break, ça marche. Ou alors là, faut dire qu'on est dans une... Je le laisse en frein régène ou ça va pas marcher? Il faudra malgré tout que tu freines là, parce okay. que c'est quand même... C'est un petit peu pentu de l'affaire là. On est perdu au milieu de la pampa, c'est très bien pour tester la voiture. Non, je vais tester le frein régène, mais pas maintenant. Alors justement, tiens, petite vitesse, confort. Ah ouais. Ben, on n'est pas si mal que ça, je trouve. On s'est plus tapé le cul avec la Tesla, dit. En montant. Elle est pas mal, si mal que au ça. Niveau suspension. Ouais, ouais. J'espère que tu... Mais tu connais bien le coin, toi, Fanny? Non. Bon, alors, bon, on mais je sais pas si on revient, alors. Mais si, t'as dû venir avec... Sinon, il faut y aller doucement, en plus, parce qu'il faut qu'elle rentre, quand même, après. Oui, oui. Ok. Ah oui, au niveau du confort des suspensions... Bon, elle est pas si mal que ça. Elle est carrément bien, hein. Ouais, ouais. Carrément bien. Donc on a un petit écran tactile, j'en profite pendant que tu roules. Avec le GPS qui va bien. Je suppose ouais, que bien, cette génération, elle n'est pas compatible Apple Car et non. Android, non, non. Ouais. Tu peux connecter quand même le téléphone en Bluetooth, oui, je peux appelle, tout ça. Le téléphone, oui. Ok. Et donc le GPS qui va pas bien? En fait, tu vois, sur le ventilateur, tu vois, j'ai le support téléphone. Ah oui. Non, mais j'étais en train de regarder. Elle sait pas où on est, là, en fait. Non. Ah, d'aller perdu. Oups. On est entre deux routes. Ouais, non, c'est pas... C'est un GPS Wish. Il te okay. GPS à peu près. Bon, alors. La direction est très souple. Très souple, oui. Et le rayon de braquage aussi est très agréable, ouais. Comparé à la modèle 3 qui est pourrie. J'ai envie de te dire là, oui. Il n'y a pas trop de mal. Non, mais j'ai testé le frein régène tout à l'heure, c'est-à-dire là, je lâche. Tu vois? C'est l'edge. Mais moi, je le sens. Elle va aller jusqu'à l'arrêt complet ou pas, Fanny? Non, elle va pas jusqu'à l'arrêt complet. Elle se met en mode rampage. Dans tous les cas, tu as le mode rampage, donc okay. Elle peut pas se mettre à l'arrêt. Ça marche. Alors, d'après vous, on est sur les petites routes du Gers. Là, gauche vas, ou droite? Droite. Parce qu'après tu vas reconnaître pour droite. Revenir, pas vrai? C'est le premier essai où on va pas pouvoir revenir de là où on est parti. Oup, oup, oup. En plus, il faut croiser des gens là sur ces petites routes minuscules. Mais c'est bien, du coup tu peux... Ça va pour pas les... m'y plaire. Bah, maniabilité, tout non, ça. Non mais lui, une 4 roues motrices, il a qu'à aller dans le fossé, lui. Bonjour monsieur, on vous filme. Ok. Zut, on n'est pas allé là où je voulais aller. Ah zut, c'est pas là que tu voulais aller? Oh vas-y, on est à combien là? De quoi? On a combien? Ouais, mais j'aurais dit à combien on voulait. 42. Alors, par rapport au compteur, tout à l'heure je roulais à... J'étais à 110 compteur et en réel j'étais à 99. Ah ouais? Oui, puisqu'elle m'a dit 42 et là il mettait 47. Ouais. Ah ouais, il y a une grosse diff quand même. Ouais. Là, tu peux appuyer. Et tu appuies encore plus fort, là. Vas-y, appuie totalement. Oh putain! Ah, pardon, je l'avais pas senti le truc. Il y a plusieurs niveaux, ouais, en fait. Il y a un deuxième niveau de pédale ouais, sur ouais. la pédale. Mais je l'ai bien senti. C'est marrant, hein? Pour l'accélération. Ah ouais, c'est original, ça. L'accélération se fait en deux fois. Quand tu veux vraiment foutre un gros coup de boost, t'appuies à fond. Est-ce qu'il va venir directement le deuxième ou pas? Le deuxième cran? Il si t'appuies d'un coup. Très fort, tu vas pouvoir passer les deux crans. Malgré tout, appuyer très fort sur la batterie, sur la pédale. Sur la pédale pour avoir le accès deuxième cran. Au deuxième. Ouais. Ok, d'accord. Super. Ah bah tiens, ça c'était pas original. On vient de croiser un Model S, hein, qui roulait un petit peu plus vite que nous. À peine un chouille. T'as vu comme ils conduisent? On donne vraiment le permis à n'importe qui. Vas-y, refais une accélération. Attention. Vas-y.
Mais là, j'ai pu enclencher la deuxième directement, ouais. Quasiment. C'est gentillé, mais bon, pour l'usage, ça, ça suffit. Hein. Oui. Oui. Après, là, donc, je te fais pas le coup du lapin. On n'est pas scotché au siège. Non. Mais par contre, tu sais que à un démarrage à un stop ou si oui. Tu es embêté sur une, sur une voie d'insertion, ça va aller. Hein. Bah, ça garde, tu vas pouvoir lancer la patate. Hein. Ça garde l'avantage de l'électrique, c'est-à-dire ça envoie tout le couple. Non. Exactement. Bah, elle se débrouille bien parce que là on est vraiment sur des routes accidentées. Non, quoi. Là, c'est pourri. La route est pourrie. Oui, oui. La route est pourrie. Il y a du trou, il y a de la bosse, il y a tout ce qu'on veut. Eh ben franchement, elle amortit vachement bien. Je m'attendais à pire en confort, hein, mais franchement, je suis agréablement surpris. Moi, j'aime bien parce que là, pour le coup, moi, j'ai les lombaires qui sont bien calés. Oui. Pareil. Oui, oui. Et je trouve les sièges conducteurs, là, beaucoup plus confortables que sur la Model 3. Là, c'est pas mal. En tout cas, pour moi, le réglage lombaire, là... Enfin, il n'y a pas de réglage lombaire, mais le comment c'est foutu, ça convient bien à ma courbure de dos. Mais le fauteuil est bien enveloppant. Installé. Alors on a un bon accoudoir aussi, pour c'est ça que j'aime pas sur certaines voitures qui sont faites à l'arrache. Les finitions de manière globale, ça reste du plastique dur, mais c'est confortable, c'est agréable, il n'y a rien à dire. Puis bon, je répète, hein, pour une voiture qu'on peut trouver assez facilement entre 10 oui. et 15 000 d'occasion, oui. Tu peux pas reprocher grand chose. Hein. Des 30, tu peux en trouver à 13-14 000. Même moins. Nous, on dans a cherché. 12 000 même presque. Hein. Ah, mais moi, on je... a cherché, on a trouvé à 10 000. Non, mais moi, j'ai trouvé à 10 000 hein, quand on cherchait pour la Fiat. À 10 000 en 30. Et le truc, c'est que tu peux avoir la prime à la conversion dessus. Oui. Qui est de 5 000 euros. Oui. Plus la prime de 1 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion. Hein. Tout à fait. Oui, j'avais vu pour la prime de 1 000 euros et ça, c'est. Alors, c'est conditionné, je crois, au revenu. Oui. Sur certains revenus, tu as 2000 euros et si tu dépasses le plafond, ils te donnent 1000. Dans tous les cas, tu as 1000 euros pour l'achat minimum. D'un véhicule d'occasion. Et après, ben, la prime à la conversion pour les vieux véhicules selon éligibilité. Mais voilà, quelqu'un avec des revenus moyens peut s'acheter une Leaf d'occasion. Oui, oui. Pour une voiture à convertir. Très raisonnable. Tout à fait, mais ça, c'est une très bonne affaire. Franchement, déjà d'origine, je la trouve pas très chère. Et si en plus, on a moyen de profiter des diverses primes, c'est une voiture qui peut revenir à 3-4 000 euros. Quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux dire pour le prix? Elle fait le job, elle est confortable. Encore une fois, c'est pas avec ça que vous ferez des gros trajets. Enfin, vous pouvez le faire, mais c'est plus compliqué qu'avec des voitures... plus récente, on va dire, de compte tenu du chargeur CHAdeMO. Mais non, mais ça, par contre, pour la ville, ça reste une très très bonne affaire. Ça, et sans compter que nous, on était parti sur une petite citadine, on n'avait pas besoin de place, dans mais on rappelle. 400 mètres, tournez à droite. Voilà. Oui. Hey, dans 400 mètres, je vais tourner à droite. Je rappelle que Fanny a 3 enfants. Oui. Donc, c'est vrai que là, nous, pour le... on n'avait pas cette contrainte-là de place. Oui. Ben si, nous on en a deux, mais on les amène plus avec nous, on en a marre. Non mais c'est pas ça, mais nous d'abord on en a que deux qui sont grands, qui viennent la plupart du temps plus avec nous. Quand ils viennent, on prend la Tesla, ils nous oublient. Donc on n'en avait pas besoin. Tournez à droite. Ouais. Là tu tournes à droite. Ouais. Mais là quand t'as besoin d'une voiture accessible, ah oui, oh, ben, le rayon de braquage c'est du beurre. Hein. C'est bon. Tu valides le braquage. Nickel. Continuez pendant 2 km. Après, ben, elle a le limiteur de vitesse, elle a le régulateur de vitesse. Mais adaptatif ou non? Non, non, adaptatif, j'imagine. Elle n'a pas l'adaptatif, okay. Et elle n'a pas le suivi de ligne. Oui, bon, ben, ça, oui, limite, ça c'est très base. Récent. Hein. Ouais, ça c'est vraiment sur les premières, la première régénération. Génération. Génération. La première génération de Leaf. Ben oui, oui, bien sûr. Donc là, on est d'accord, c'est les premières séries. Oui. On n'est pas sur les séries 2. Non. Voilà. Oui, c'est la toute première première. C'est la toute première Leaf. Oui, bah c'est comme ça donc, qu'on dans la série des toutes premières Leaf, c'est une des dernières Leaf 30 qu'ils ont à être sortie. Hein. En fait. Mise sur le marché. Oui. Uh-huh. Quand on l'a acheté, c'était les dernières Leaf de cette génération-là à être vendues. Ok. Donc c'est des premières générations et c'est pour ça qu'on commence à en voir quand même pas mal sur le marché de l'occasion. Oui.
mais ça fait bien le job. Voilà, donc pour une, un véhicule plutôt citadin, le frein marche très bien. C'est vrai. Pour un véhicule relativement citadin, pour faire de la ville, du périurbain, rester comme disait Fanny à 50 km, mais avoir quand même de, un peu de place dans le coffre, pouvoir mettre une poussette et trois enfants, eh ben franchement, on est quand même pas mal hein, au niveau rapport qualité-prix. Voilà, surtout qu'on répète, on en trouve d'occasion autour de 10 000 euros. Oui, puis à l'entretien, ça vaut rien. C'est une... Et pour rouler, et pour oui, non, mais c'est impressionnant. Oui, là en entretien, on a juste fait les pneus et puis c'est tout. Et il me semble même juste un seul jeu de pneus. Elle a 40 000 km. Elle en a pas beaucoup parce qu'en fait, pendant le confinement, eh ben, elle a. Elle est restée à la maison. Voilà quoi. Bah, elle a roulé comme beaucoup de voitures. Donc, ouais, sur 3 ans de bonne utilisation, elle a fait 40 000 km en urbain et périurbain. Bon ben merci beaucoup Fanny. Avec plaisir. De nous avoir pris ta voiture et puis de nous avoir raconté toute ton expérience avec, avec cette voiture puisque ça fait quand même 4h30. 4h30 qu'elle a, donc elle est très expérimentée. Ouais, 4 ans et demi. Non non, mais comme tu nous expliquais, c'est quand même un les voilà, la, c'est la version, la première version de la Nissan Leaf. Ouais. Donc ben écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis à bientôt d'ailleurs. Si tu veux rentrer avec celle-ci au moins jusqu'à Toulouse, et moi je prends la modèle 3. Alors est-ce qu'on lui dit ou pas? Ah non, on va garder la modèle 3 quand même. Ça te permettrait de l'essayer sur de la longue distance, sur de, du périple, dans de réelles conditions, dans de bonnes conditions. Écoute, nous ça y est, on a notre deuxième modèle là, donc. Mais merci pour la proposition. Non mais c'est une super voiture en véhicule secondaire, c'est nickel. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est ce qui nous semble aussi, et notamment si on a des enfants, parce qu'il y a la place, il y a une place qu'on peut pas trouver dans d'autres citadines, et un confort qui est quand même très appréciable. Ouais. Et elle est pas chère. On a été ravis de faire cette vidéo avec vous. Merci Fanny encore une fois d'avoir bien voulu répondre à nos questions et nous faire essayer ta magnifique Nissan Leaf Tagadou. Du coup, dans la bonne humeur. Voilà, c'est ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. N'hésitez pas également à commenter, à poser vos questions. Si on n'a pas les réponses, on les enverra vers Fanny, qui se fera un plaisir de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à activer la petite cloche qui va bien. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut. Salut.